Mesdames et messieurs, merci de toujours honorer le rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Voici les titres. Le dimanche 5 décembre dernier, la communauté paroissiale de Saint-François-Xavier d'Abobo, dans l'archidiocèse d'Abidjan, a célébré sa fête patronale, doublée de la bénédiction de la statue à l'effigie de son saint patron. Cette cérémonie a été présidée par Mgr Jean-Pascal Tadé Sekaseka, vicaire général de l'archidiocèse, représentant le cardinal. En présence du révérend père curé, Agia Arnaud Martial Kwame et de l'ensemble des vicaires et autres prêtres résidant sur la paroisse. Et puis ce lundi 6 décembre 2021, l'avion du pape François a atterri à Rome vers 12h50 heure locale, après son 35e voyage apostolique qu'il a mené à Chypre et en Grèce, deux pays dans lesquels il a souhaité réveiller les cœurs sourds aux souffrances des réfugiés et où il a partagé des paroles d'unité et de fraternité avec les églises orthodoxes, puis a visité les petites communautés catholiques. Retour sur quelques moments forts dans cette édition. Le dimanche 5 décembre dernier, Mgr Jean-Pascal Tadé Sekaseka, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, a honoré par sa présence la communauté paroissiale de Saint-François-Xavier qui célébrait ce jour sa fête patronale, doublée de la bénédiction de la statue de son saint patron. C'est donc entouré du père curé Agia Arnaud Martial Kwame et de l'ensemble des prêtres de la paroisse qu'il a présidé la messe. Un reportage signé Pierre Richemont, commenté par Rosine Mobio. Archidiocèse d'Abidjan, doyenné Père Régis Peylon, paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo. Le dimanche 5 décembre dernier, la communauté paroissiale était dans une joie totale. Le motif de cette réjouissance était la célébration de la fête patronale, doublée de la bénédiction de la statue du saint patron, Saint-François-Xavier. Le père curé, Agia Arnaud Martial Kwame, donne des précisions relatives aux festivités. Depuis mon arrivée, avec mon conseil, nous avons souhaité ériger cette statue de notre saint patron, qui est le patron des missions et des missionnaires. Et l'année dernière, à la même période, j'étais invité à la paroisse Sœur Saint-François-Xavier d'Anono, où il y a eu la bénédiction également de la statue de notre saint patron. Et c'est ce qui a confirmé aussi notre projet d'ériger cette statue aussi chez nous, Saint-François. La messe qui a abrité ce double événement a été présidée par Mgr Jean-Pascal Tadé Sekaseka, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, représentant son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois. Elle a été concélébrée par le curé de la paroisse, Père Agia Arnaud Martial Kwame, et l'ensemble des vicaires et autres prêtres résidant sur la paroisse. Parmi les fidèles étaient présents les anciens et actuels présidents, puis membres du conseil pastoral paroissial. Le mot de bienvenue a été adressé par M. Marius Soro, premier vice-président du conseil pastoral paroissial. Ce matin est pour nous un jour d'action de grâce, car jour de matérialisation de notre saint patron. Oui, il est là, dans la cour de notre paroisse, grâce à la volonté de notre clergé, avec à sa tête le père curé Arnaud Kwame. La messe a suivi son cours normal. Lors de son homélie, Mgr Sekaseka a fait observer une minute de silence pour les missionnaires et les pionniers disparus qui ont bâti la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo. Il a aussi présenté le saint patron comme un homme qui a vécu selon les attributs de Dieu. Première fidélité, la fidélité au Christ. Aujourd'hui, nous fêtons Saint-François-Xavier. Posons-nous la question, quelle est ma fidélité au Christ? Deuxième fidélité, la fidélité à l'Église du Christ fondée par Jésus-Christ. Je suis dans l'Église catholique, baptisé catholique. Quelle est ma fidélité, ma foi et comment cela s'exprime et se démontre? Troisième fidélité, la fidélité à ma vocation de baptiser. Et quatrième fidélité, la fidélité à la mission. Après la célébration eucharistique, Mgr Jean-Pascal Tadé Sekaseka, entouré de tous les concélébrants et des fidèles, a procédé à la bénédiction de la statue de Saint-François-Xavier. Dévoilement de la statue. Bénédiction de la statue.
Hier à Saint-François-Xavier, lecture des Écriteaux. Saint-François-Xavier, prière et mission. Saint-François-Xavier, je m'engage dans la joie pour Jésus. Prise de photo pour immortaliser ce moment particulier. Au terme de la cérémonie, c'est avec plaisir et joie que certains paroissiens et le père curé se sont exprimés. Nous pouvons que féliciter le père curé Arnaud, ses conseils constitués et toute la communauté paroissiale de Saint-François-Xavier qui, comme un d'abobo, qui comme un seul homme chaque jour, répond à l'appel du Seigneur à travers tout ce que nos pères nous disent. Nous avons maintenant l'image de notre saint patron depuis qu'il nous manquait sur cette paroisse. Et nous sommes vraiment très 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 heureux ce matin. Nous sommes reconnaissants envers Dieu qui permet toutes choses. C'est lui qui nous a donné les moyens de pouvoir réaliser cette œuvre pour sa plus grande gloire et pour notre salut. Nous lui demandons de nous aider aussi à continuer les autres chantiers. Le chantier d'agrandissement de l'église, nous avons commencé les deux auvents. Il reste encore d'autres étapes. Hors de nos frontières, du 2 au 6 décembre, le pape François a été en voyage apostolique à Chypre et en Grèce. Deux pays méditerranéens sous pression migratoire et à minorité catholique. Ce lundi, il a terminé sa tournée de 5 jours. Retour sur quelques moments forts. La deuxième journée du voyage du pape François sur l'île de Chypre s'est ouverte sous le signe du dialogue œcuménique. La première rencontre a eu lieu à l'archevêché orthodoxe pour la visite de courtoisie à sa béatitude Chrysostome II, archevêque orthodoxe de Chypre. Ensuite, dans la cathédrale orthodoxe de Nicosie, le souverain pontife a rencontré le Saint-Synode, la plus haute autorité de l'Église orthodoxe de Chypre. Des paroles et des gestes de grande valeur pour la communion entre les deux églises ont été exprimés. Le pape François s'est ensuite rendu au stade GSP pour la célébration eucharistique. Environ 10 000 fidèles des communautés locales y ont participé, ainsi que les ordinaires catholiques de Terre Sainte. Dans l'après-midi, une des rencontres les plus attendues, la prière œcuménique avec les migrants dans l'église franciscaine de Santa Croce, située à l'intérieur des anciens murs de la ville de Nicosie. Le mur du fond borde la zone tampon de l'ONU. Après avoir écouté les témoignages de certains migrants, le pape a dénoncé cette nouvelle forme d'esclavage. Nous plaignons quand nous lisons les histoires des camps de concentration du siècle dernier, ceux des nazis, ceux de Staline. Et nous nous plaignons. Comment cela est-il arrivé? Frères et sœurs, cela se passe aujourd'hui. Puis, les fils barbelés, pour ne pas laisser entrer le réfugié, celui qui vient demander la liberté, le pain, l'aide, la fraternité, la joie. Nous ne pouvons pas nous taire et regarder ailleurs. À la fin de ce moment de prière et de rencontre, chacun a récité la prière du Notre Père dans sa propre langue. Ce lundi 6 décembre 2021, à 8h45, heure de Rome, le pape François a rencontré des jeunes grecs réunis à l'école Saint-Denis, gérée par des sœurs ursulines et située dans un quartier du nord d'Athènes. Une rencontre ameublée par des prestations. Allocution, message du Saint-Père. Je suis heureux de vous rencontrer au cœur de ma visite en Grèce. Et je profite de l'occasion pour vous remercier encore de votre accueil et de tout le travail accompli pour l'organiser. Merci. Mi hanno colpito le vostre belle testimonianze. J'ai été touché par vos beaux témoignages. Je les avais déjà lus et je vais maintenant reprendre certains passages avec vous. Et aussi remise de présents. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.